n'était toujours pas changé. Et il a prié pour que Dieu l'utilise pour changer sa ville. Et sa ville n'était toujours pas changée. Et il a prié pour que Dieu change son quartier. Et son quartier n'était toujours pas changé. Il a prié pour que Dieu change son avenue. Et son avenue n'était toujours pas changée. Il a prié pour que Dieu change sa famille. Et sa famille n'était toujours pas changée. Et puis il a prié. Il a dit, Seigneur, change-moi. Et Dieu lui a dit, c'est ce que je voulais. Alléluia. Et quand Dieu l'a changé, Dieu a pu changer sa famille, il a pu changer sa rue, il a pu changer le quartier, il a pu changer sa nation, il a pu changer son continent et il a pu toucher les extrémités de la terre. Qu'est-ce que je veux dire? La plupart des temps, lorsque nous remarquons que des gens ont des problèmes et que nos familles ont des problèmes, nous nous précipitons à vouloir résoudre les problèmes des autres. La plupart des temps, lorsque les choses ne marchent pas comme nous voulons, nous voulons tout de coup les changer. Et lorsque souvent nous écoutons les prédications parlant des familles, nous avons un regard un peu orgueilleux et nous nous tenons sur la chaise de la perfection pour regarder nos familles et dire « là ça c'est papa, là c'est maman, là c'est ma sœur, là c'est mon frère ». Mais rarement les gens disent « là c'est moi ». La première chose pour sauver ta famille de l'emprise des démons, c'est d'abord toi qui dois sortir de leur influence. Une personne qui n'est pas délivrée des puissants des ténèbres ne peut pas délivrer des autres des puissants des ténèbres. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Jésus-Christ n'avait pas en lui les œuvres de la chair, n'avait pas en lui les œuvres démoniaques, c'est pourquoi il pouvait sauver le monde. Lorsque tu vas en guerre contre les puissants des ténèbres de ta famille, tu dois te rassurer d'une chose, que ces puissances n'opèrent pas en toi. Sinon, tu auras la correction des fils de Xéva. Et la Bible nous le prouve. Ézéchiel était un vivant parmi les morts pour donner la vie aux morts. Il était le prophète parmi les morts afin de prophétiser sur les morts. Il avait la chair, il avait les nerfs, il avait le sang parmi des os pour donner la chair et le sang aux os. Tu ne peux amener ta famille là où tu n'es pas encore allé. Tu ne peux donner à ta famille ce que tu n'as pas. Tu ne peux délivrer ta famille si tu te retrouves dans la même prison que ta famille. Tu ne peux libérer les autres sans être différent. Différent, mes frères. C'est la différence qui crée l'impact. C'est la différence qui fait de toi un modèle dans votre maison. Tu ne peux impacter ton père si tu pries Baal. Tu ne peux détruire de Baal, l'autel de Baal en priant Baal. Tu ne peux libérer les idolâtres en étant toi-même idolâtre. Tu ne peux libérer tes enfants si tu n'es pas un modèle. Tu ne peux convertir ta femme si tu n'es pas converti. Tu ne peux convertir ton mari si tu n'es pas converti. Nos enfants demeurent sous l'emprise du diable parce que nous-mêmes, nous sommes sous l'emprise du diable. Nos conjoints demeurent sous l'emprise du diable parce que nous-mêmes, nous sommes sous l'emprise du diable. Nous leur demandons de changer sans changer nous-mêmes. Et ce que nous oublions, mes frères et sœurs, dans le couple et dans la famille, ce ne sont pas les paroles qui prêchent, c'est le comportement. Prêche à ta femme du matin au soir, elle ne t'écoutera pas. Vis dans la douceur, vis dans l'humilité et ta femme t'écoutera. Tu peux être le plus grand prédicateur du monde, ta femme ne se soumettra pas à toi parce que tu prêches des grands messages à la chair. Mais c'est lorsque tu es un homme humble dans le foyer, lorsque tu as la douceur dans le foyer, lorsque tu es fidèle dans le foyer. Tu peux jeûner, prier pour tes membres de famille. Si tu es dans la médisance comme eux, lorsqu'ils critiquent, toi aussi tu critiques, et puis tu veux dire « prions », ils ne prieront pas parce que tu es médisant comme eux. Tu obéis à la coutume, à l'aveuglette comme eux, et puis tu veux chasser les démons, et puis tu veux leur dire « arrêtons la coutume », alors que toi-même tu trembles devant la coutume. Es-tu différent de tes frères et sœurs en caractère, par ta nature, par ta transformation? Es-tu un adorateur pendant que les autres sont des idolâtres? Car un idolâtre ne délivre pas des idolâtres. Tu veux me délivrer de mes statues et de mon chapelet, mais tu aimes l'argent, tu adores l'argent, mais nous deux, nous avons des idoles. Ton idole est invisible, mon idole est visible.
C'est ainsi, mes frères, que nous avons des maris qui ne changent pas leur femme. Nous avons des femmes qui ne changent pas leur mari. Ton mari demeure un païen parce que tu es une païenne qui vient à l'église. Ta femme demeure une païenne parce que tu es un païen qui vient à l'église. Tes parents demeurent des païens parce que tu es un païen venant à l'église. Le jour que tu changeras, ta transformation les affectera. C'est la différence qui impacte. C'est être vivant dans la vallée des ossements desséchés qui te permet de les ressusciter. Mais si tu es mort parmi les morts, tu ne peux ressusciter les morts. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi vous devez travailler à votre transformation. Vous devez rechercher votre propre délivrance d'abord. Et vous devez vous regarder avec sincérité vous-même. Pas seulement venir à l'église, pratiquer la parole, de sorte que tes frères et sœurs disent « tu as changé ». Est-ce que ta famille t'a déjà témoigné que tu as changé? Est-ce que ta famille t'a déjà témoigné que tu es un chrétien? Je suis serviteur, je suis serviteur. Arrête de parler, laisse-nous le dire. Est-ce que tes enfants t'ont déjà dit « papa est un homme de Dieu » Est-ce que tes enfants t'ont déjà dit « maman est une servante de Dieu » Est-ce que tes frères et sœurs disent que tu es rempli de l'Esprit? Si on prend ta femme dans le secret et en toute sincérité, qu'est-ce qu'elle témoignera de toi? Car le témoignage d'un homme est dans la bouche de sa femme. Le témoignage d'une femme est dans la bouche de son mari. Frères, sœurs, tu ne peux libérer tes enfants de l'emprise de la télévision si toi, matin et soir, tu es devant la télévision. Tu ne peux libérer tes enfants de la musique mondaine si toi-même tu écoutes cette même musique. Tu ne peux libérer ta famille de l'emprise d'un péché si tu le commets. Et même si tu le commets en secret, car dans le royaume de l'esprit, il n'y a point de mensonge. Tu peux être apparemment saint. Mais si dans le secret de ta vie, tu commets un péché, les esprits le savent et les esprits de ta famille se rebelleront contre toi et ne se soumettront point. Le diable et les démons se soumettent, pas à ton apparence, mais à ta vraie vie. Qui es-tu réellement? La transformation de nous d'abord. Arrêtez de reprocher des choses à vos frères et sœurs. Arrêtez de reprocher des choses à vos parents. Arrêtez de reprocher. J'étais un prédicateur, mes frères, et je priais pour ma famille. Mais je n'avais pas pu attirer mon père vers Dieu jusqu'à ce que je puisse l'aimer. Jusqu'à ce que je puisse l'aimer. L'aimer tel qu'il est, sans lui demander de changer. Tel qu'il est, l'aimer, pardonner. Prêche tout ce que tu veux. Tu as de la haine contre ton frère, de la haine contre ta sœur. Tu peux tout leur dire, ils ne croiront pas. Lorsque tu es en colère, tu te mets en colère comme un païen. Mais après, tu dis, il faut qu'on aille à l'église. Dimanche, tout le monde à l'église. Mais quand tu es en colère, c'est comme un païen. Et ils voient que ce monsieur qui prie, quand il est en colère, il est démoniaque. Réveillez-vous et écoutez la parole. Frères, sœurs, le problème au Congo, c'est qu'on a enseigné que la prière pour changer les familles. Alors que c'est archi faux, mes frères, c'est la transformation. La transformation. Jamais l'autel de Baal n'est renversé par un idolâtre. Car il faut que tu aies la révélation de l'Éternel pour comprendre que Baal n'est pas Dieu. Mais si tu n'as pas compris, comment est-ce que ton père le comprendra? Et je vous assure, mes frères et sœurs, la transformation personnelle crie plus que les paroles. Alléluia! Tout le monde savait que lorsqu'on laissait l'argent sur la table, si tu passes par là, l'argent disparaissait. Maintenant, on laisse l'argent ne disparaît plus. Même si tu ne dis rien, les gens vont croire en Dieu. Amen, hein? Tout le monde savait que quand tu vois une belle femme, tu ne laissais jamais passer. Mais on voit que tu laisses passer. Tout le monde croira. Tout le monde croira. Tout le monde sait que quand tu es en colère, tu insultes, tu tabasses. Maintenant, tu te tais. Tout le monde croira. Changer, 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 changer. Regardez en vous qu'est-ce qui est du diable. Regardez en vous qu'est-ce qui est du diable. Regardez et reconnaissez cela. La Bible dit, comment vas-tu aller enlever
la paille qui est dans l'œil de l'autre. Comment vas-tu enlever la paille qui est dans l'œil de ta famille alors que tu as une poutre dans ton œil? Le pasteur nous avait prêché ceci. Vous, le pasteur avait dit, j'ai dit pour eux, non, je n'ai pas prêché ta famille n'est pas là. Je te prêche à toi. Arrêtez d'écouter la parole par procuration. Vous aujourd'hui, vous les enfants, venez. Aujourd'hui, le pasteur a parlé de vous. Non, je n'ai pas parlé d'eux. J'ai parlé de celui qui est là. Non, cette parole, c'était toi. Si tu étais là, pendant que je prêche, tu regrettes. Ah, si Mado était là. Non, je ne prêche pas à Mado. Je prêche à Janine qui m'écoute. Je te prêche à toi. Si mes enfants étaient là, bien-aimés, j'ai vu des hommes venir. Oh, ma femme me trompe, ma femme me trompe. Ne crie pas ça. C'est honteux de dire ma femme me trompe, mon frère. C'est honteux, c'est honteux. Elle te trompe comme ça au hasard. Elle n'est pas folle. Elle t'a trompé avec une cause. Tu sais, il y a qui m'en allié par voisin. Mituna, sur l'ambagui bien.